Sachez que je suis ravie de succéder à mon successeur. Chers téléspectateurs, vous avez été formidables avec Laurent Ruquier pendant mes congés payés. Voilà pourquoi je vous dois la vérité. Si j'ai cédé ma chaise à Laurent, c'était sous la contrainte. Et je le prouve. Ça s'est passé un samedi dans ma loge maquillage. Laurent est venu soi-disant me souhaiter une bonne émission. On voit distinctement le joli bouquet de fleurs qu'il m'avait apporté. Là-dessus, il se lève, il se place derrière moi. Heureusement qu'il y avait une caméra de surveillance, car regardez bien où il a placé ses mains. On n'a pas le son, mais là, il me dit « ta case ou ta vie ». Sur le cliché suivant, on voit distinctement qu'il intensifie la pression sur mon larynx. Pour ça, rien à dire, c'est un pro. Il va même jusqu'à faire semblant de m'embrasser. N'empêche, je prie pour qu'il m'épargne. Je suppose que saint Antoine de Padoue m'a entendu, puisque j'ai retrouvé ma case. C'est quand même triste de ne pas pouvoir compter sur ses vieux potes de régiment pour faire carrière à la télé. Bref, pour ce méfait, le capitaine Laurent est désormais aux arrêts le samedi en access prime time. Mais ce soir, à vos postes, car sa mission se poursuivra tard dans la nuit, nous sommes désormais tous les deux en selle, dans la même compagnie, en avant-marche. Voilà. Et tout de suite, je vous demande d'accueillir Valérie Berès, Christophe Alévèque, Caroline Diamant, Elsa Fayer, Stevie Boulet et Gérard Muller. Alors, début absolument impressionnant, hein, de maîtrise, d'aisance. Enfin, on sent que tu as fait de la télé pendant des années. Non, enfin, on a quand même coupé les moments où elle a bégayé. Hein. Moi, j'aimais mieux quand t'étais là-bas. Je pouvais te dire que t'étais... Enfin, plein de trucs, là, j'ose pas. Eh ben, tu veux que je te dise... Moi, j'aimais mieux quand t'étais là parce qu'on avait plus de place. Est-ce que tu as remarqué quand même que j'ai porté une cravate pour faire un petit clin d'œil au patron? Ah oui, le nœud est bien bas. Bon, alors moi, je suis contente que vous soyez là. Ça change rien, en fait. On est entre nous comme avant. Maîtresse, une question. Stevie? Non, c'est moi qui ai parlé. Allez, au top. Pas bien les élèves. C'est normal. Non, je voulais juste te dire que est-ce que le fait que je sois assise là signifie que bientôt je serai assise là? Oui, quand tu auras fait un régime. Stevie. Oui, ma belle. Comment tu me trouves? Tu es magnifique. Je te vois pas trop. Si, bah que... non, mais j'aime bien Caro aussi. Ouais, donc... je crie. Puis t'es pas très loin, t'es juste en face de moi. Non, franchement, allez, bon. On va y aller. Alors, je vous préviens, je vous ai préparé un baillon. Parce que maintenant, un de mes grands plaisirs, c'est de préparer le baillon. C'est-à-dire que quasiment toute cette émission, je l'ai bâtie en pensant au baillon pour vous planter grave. C'est gentil. Oui, en même temps, si personne ne trouve pendant une heure, ça n'ira pas non plus. Hein. Bon. Je vous donnerai des petites indications. C'est parti pour le baillon. Alors, là, je me régale. Première question. Pourquoi un voleur anglais s'est-il fait plumer et arrêté par la police? Parce qu'il était habillé en flic? Non. En poulet? Non. Pas de réponse. Est-ce que ça tient au lieu où s'est passé le méfait? Non. Parce qu'il avait volé un agent de police lui-même? Non. Et pas parce qu'il avait volé des poules? Non. Quand il s'est fait plumer, il y a un jeu de mots. Ah. Donc on lui a enlevé des plumes? Il avait une plume dans le cul. T'es allé voir un spectacle avec des femmes plus... Non, non, alors, ce voleur, il rentre dans une maison, bien sûr, et il va piquer quelque chose. Eh ben, il y a un perroquet qui a averti la police. Alors, il y a un perroquet... Eh ben, voilà, eh ben, j'ai gagné. Non, il n'a pas averti la police. Il y a un perroquet... Il a imité l'alarme. Il a téléphoné à la police. Non, 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 je sais, il lui a dit le perroquet, oh les mains, ne bouge plus. Le voleur, il était allergique aux plumes. Non. Alors, c'est le perroquet qui l'a piqué, donc il s'est fait plumer par le perroquet, oui, et la police derrière a été... Il a déclenché l'alarme. Non, 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 non.
Le perroquet, effectivement, lui a... Qu'est-ce que tu as dit? Piqué, plumé. Il a piqué, avec son mais il a piqué quoi? Il lui a piqué l'argent. Ça fait trois fois. Il est allé lui piquer l'argent, il est allé le rendre à la police. Non, 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 pas du tout. Il lui a pas piqué le bijou, il a piqué... Christine. Le nez, là, le mec, le nez, le nez. Le visage, le visage. Mais comment la police... Mais comment la police a pu... Parce que le voleur est allé porter plainte à la police parce que le perroquet... Déclencher la caméra vidéo. Non, non. Vas-y, t'étais sur la bonne voie. Mais il a défiguré, il était tout défiguré. Oui, alors. Je ne voudrais pas que ce soit seulement ceux qui crient le plus fort qui aient toujours la mais parole. Mais c'est comme ça ce jeu, t'avais qu'à être là le samedi. Je voudrais préciser que ce perroquet que je connais parfaitement a fait sur le front, la perruque. Sur le front de cette personne, il a fait un signe distinctif. Oui, et ensuite identifié. Et donc la police l'a reconnu grâce à ce signe distinctif. Le voleur s'est fait attaquer par un perroquet pendant qu'il cambriolait une maison et les marques qu'il lui a laissées sur le visage ont permis à la police de l'identifier. Et qui a trouvé le perroquet? Mais j'avais dit un peu. On s'en fiche du perroquet. C'est Gérard Miller. S'il vous plaît, vous votez et vous éliminez la personne de votre choix. Donc on ne peut pas voter contre Gérard. On ne peut pas voter contre Gérard. C'est dommage, on avait décidé de l'éliminer. Pas de complot. Oui, pas de complot. Ça va bien de dire ça. Il y a l'autre là, la stagiaire là. Oh là là, elle est chef là maintenant, elle va nous les gonfler là. Pas de complot, que ça fait quand même une gonzesse de plus qui présente une émission. On va finir par se faire bouffer, je vous le dis. Stevie, vous votez contre qui? Elsa. Ah, je suis désolé. Elsa. Je suis désolé, ma chérie, mais j'ai pris au pif. Alors, si t'es désolé, tu votes pas pour moi, ça veut rien dire. Je suis désolé, chérie. Christophe. Elsa. Elsa. Pour éliminer des nanas. Bah, Stevie, maintenant, j'avais voté pour toi. Gérard. Christophe. Christophe. À l'évêque parce qu'il a pas été gentil avec mon nouveau chef. Alors, Christophe, ça fait deux. Christophe éliminé, vous mettez le baillon, s'il vous plaît. Tiens, message. Je mets le baillon si je veux. Les hommes n'ont plus rien que à dire. Que pouvez-vous vous offrir pour 76 000 euros en Iran? Une voiture? Non. Une piscine avec plein de trucs dedans? Des lunettes? Plein de trucs. Alors, attendez, déjà, on pose des questions intelligentes pour commencer. Oh, dis donc, comme si tu... Mais si on pose des questions intelligentes, tu vas pas les comprendre. Si vous voulez que je vous mette sur la voie, les enfants, vous êtes gentils. Alors, imaginez-vous d'abord, ça se passe en Iran. Voilà, donc c'est essentiel que ce ne soit pas une démocratie. Non. Ça n'a pas d'importance. On peut se l'offrir dans d'autres pays. Une voiture voilée? Non. En France, on pourrait se l'offrir. Et ça vaudrait le même prix? Oui, à peu près en France, on peut se l'offrir pour le même prix. Est-ce que c'est un objet ou un être humain? C'est pas un objet ni un être humain. Mais ça a une importance. C'est un papier, c'est un animal. C'est pas un papier, c'est un animal. Ah bon? Ah ben alors Dieu? En Iran, tout est possible. Un passage à la télévision? Non. Mais... Est-ce que ça a quelque chose à voir? Une notoriété? C'est pas une notoriété. Un album? Non. Un disque? Non. Une émission de télé? Un film? Non. Quelqu'un de célèbre? Comment, Laurent, tu peux répéter? J'entends rien. Attends. Pardon. Excuse-moi. Excusez-moi, quand on me parle dans l'oreillette, j'ai tendance à répondre. C'est pas grave, c'est un métier, ça s'apprend. C'est quelque chose dont on va se servir. Est-ce que c'est un ustensile? Donc c'est un objet, tu m'as dit. C'est pas un objet, mais c'est ça. Un cheval? Mais il faut un objet pour s'en servir. Une clé? Non. Est-ce que c'est un voyage? Non. Valérie, comme tu as pas beaucoup de mémoire, tu t'en servirais forcément bien. Un fer-frisette? Un mémo, un bloc-notes? De l'intelligence? Des post-it? J'ai de la mémoire. Un QI, on peut s'offrir un QI. C'est un moyen de communication. Un téléphone. Ça n'est pas un téléphone. C'est une oreillette. C'est un téléphone. Ça a un téléphone. Ça a un rapport avec le téléphone. Si ça pouvait être des boules de pièces, putain. Ça... Un satellite avec quelqu'un qui décide. Un secrétaire. Quand on a un téléphone, qu'est-ce qu'il faut avoir avec ce téléphone? Une oreillette? Non. Un truc là pour mettre dans l'oreille? C'est valable aussi pour les plaques d'immatriculation. Un numéro. Alors quel genre de numéro? Un qui est en ligne directe avec le président iranien. Une date de naissance? Non. Un numéro de danse? Un numéro de quelqu'un de célèbre? Non, un numéro. Un numéro de ciré? Donnez-moi le numéro. 000.
Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, bravo. 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 On ira pour 76 000 $. On peut s'offrir en ce moment le numéro de portable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'aimais mieux quand tu répondais plutôt que quand tu poses. Alors, Stevie n'est pas trouvé, tu sais pas compter jusqu'à 9. Allez. C'est trop facile. Valérie, pour qui tu votes? Contre qui tu votes? Contre Miller, tout à l'heure, c'était pas possible. Gérard. Bah, moi, je vote contre Stevie parce qu'il a éliminé Elsa. Voilà. Elsa. Et moi, je vote contre Stevie, même si je voulais voter pour Miller. Et moi, je vote contre Miller. Et voilà. Caro. Et moi, alors vraiment, c'est pas de bon cœur, mais je vote contre Gérard Miller. Alors, c'est Gérard Miller, le baillon faible. Au revoir. Ouais. Attention. Pourquoi un automobiliste allemand âgé de 80 ans a fini sa course sur un tas de sable? Parce qu'il a plus de réflexes, il a pas réussi à appuyer. Il a perdu son volant. Non. Il a perdu ses roues. Non. Il a perdu ses lunettes. Non. Il a perdu ses dents. Bon, je vais vous aider. Et alors, quand tu perds tes dents, eh ben, tu finis... ça te déstabilise pendant quelques instants. Et tu vas sur un tas de sable. Exact. Réfléchissez bien. Je vais vous aider. Il a pas su se servir de quelque chose. Eh ben, du frein. Ah non, il a pas su tourner le volant. Il a pas su servir de son automobile. Non, mais il avait c'est... un GPS. Bravo. Et alors, le GPS l'a emmené sur le tas de sable. Il a pas su tourner au bon endroit. Le GPS lui a dit maintenant tourner à gauche. Bravo, et il connaît ta droite. Elsa. Il ne faut jamais suivre aveuglément son GPS. Bravo Elsa. Allez, on part. Stevie, qui est-ce que tu élimines? Caroline. Étrange, Stevie. Pourquoi? Pourquoi pas? Tu m'as demandé pourquoi lui quand il est venu pour moi. Stevie. Mal. Stevie, au revoir. T'es le baillon faible. Christine, parce que comme on a une chef qui est une fille, on voulait être que les filles. Ouais. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aimais bien quand je jouais. Alors, attention. Quel objet unique datant du 18e siècle et ayant appartenu à un Français rentre au musée de Londres? Un pot de chambre? Non. Ouais, non. Ah ouais. C'est quelque chose qui appartenait à unique, un de nos rois. C'est quelque chose qui appartenait à un Français. Il avait les cheveux de quelqu'un qui a régné. C'est pas des cheveux, mais... Un morceau d'ongle. La perruque de Louis XVI. Non. Une moustache. Non. Une culotte. Un souper. Le dentier. Le dentier, elle a gagné. C'est un dentier en porcelaine qui a été retrouvé en parfait état dans la bouche d'un Français alors que des archéologues effectuaient des fouilles sur le futur terminus de l'Eurostar. Bravo, ma chère Valérie. Elle a l'immunité. J'ai pas le choix. Bah, moi non plus. Elsa. Bah, diamant, évidemment. Et évidemment, c'est Valérie qui va... Qui va départager. Oh là, je sens qu'elle va être mauvaise. Ben, je voulais être face à une autre blondasse, alors... Au revoir, Elsa. Pourquoi les pensionnaires d'un centre maternel national n'ont-ils pas pu goûter une bonne purée de pommes de terre? Eh ben parce que quelque chose s'était mélangé à la purée et je ne préfère pas dire quoi. Il y a quelque chose. Parce qu'il y a failli. Il y a quelque chose qui a failli se mélanger à la purée. Parce qu'il n'y a pas de pensionnaire en maternelle. Non, c'est pas ça. C'est quoi un centre maternel? Eh ben, c'est un centre de mères célibataires. Ah, un stérilet. Je veux pas de cochonnerie. Parce qu'on avait mis de la saucisse ou du porc. Non, c'est pas une saucisse. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange, qui a failli être mélangé? Non, c'est quelque chose qui se mange pas. Eh ben, du fil dentaire. Non, qui s'est retrouvé très près du presse-purée. Un rat? Une chaussure? Non. Dans le presse-purée. Une culotte? Quelque chose qui ne se mange pas et qui aurait pu être dangereux. De la craie? Et les fruits, ça se mange. Ça se mange pas, je vous ai dit. Mais de la craie, c'est pas un fruit. Ah, ça y est, elle est devenue folle. Elle est aussi sourde. Alors, écoutez-moi. Un indice. Ouais. Ça porte le nom d'un fruit qui se mange, mais ça n'est pas un fruit qui se mange. Une prune. Une mangue. Un kaki. Non. Un kaki. C'est même le nom d'une ville en Espagne. Ah oui. Miguel, une grenade. Bravo, Valérie Lérès. Ils étaient en train de préparer la purée. Ils avaient ramassé dans le champ une grenade en croyant que c'était une patate. Ils l'ont mis dans l'éplucheur.
Et effectivement, les cuisiniers ont entendu gling-gling. Ils ont stoppé l'éplucheur. Heureusement, parce que sinon, on aurait eu de la purée explosive. Bravo, Valérie. Tu es le baillon fort. Et tu vas annoncer l'invité, s'il te plaît. Merci. Aujourd'hui, nous recevons un gaucho de la Pampa argentin d'adoption qui vit au Pentagone. Au Pentagone. Non. Si, il vit au Pentagone, c'est marqué, j'y peux rien. En Patagonie. Non, c'est marqué Pentagone. Il est marié à une Argentine du nom d'Asunsupus. Ils mettent que des conneries. Hein. Il s'est fait connaître, on va croire que c'est moi alors que je lis. Hein. Il s'est fait connaître avec des chansons devenues cultes. N'importe Nawa, bienvenue chez le percepteur, ma liberté de fumer, savoir se looker, rester un enfoiré. Son dernier album, Prestidigitation, s'est vendu à 35 exemplaires et le 13 novembre, il sort une rééditation avec, en bonus, un énorme bédo. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le fils naturel du taulier, Florent Pagny. Bonjour et merci Florent d'avoir accepté de faire notre première. On a tout essayé. Sans le patron. Ouais, mais bon, c'est pas ta première. Non, c'est pas ma première. Pour ça que j'ai accepté. Ouais, j'ai fait. T'en as des heures de vol. Non, mais bon, ça me faisait plaisir. Et franchement, parce que t'as pas d'actu en plus, tu viens comme ça. Oui. Non, mais je veux dire, si. Non, mais on est vraiment d'accord. J'ai pas d'actu. T'as rien juste, à voir. Je me dis, tiens, je vais faire un petit tour en télé. Je vais voir comment. T'as une actu? Tout a redémarré. Non, j'en ai aucune. Mais c'est oui, vrai, c'est vrai. Vraiment, je viens faire de la télé. Je voulais plaisanter, évidemment, qu'il a une actu. Enfin, c'est toujours son actu. Puisque t'as ton dernier album, Abracadabra, il y a une réédition avec un DVD live. D'ailleurs, j'ai sorti mon album en le faisant en spectacle dans son intégralité. Donc, il y a eu 8 spectacles. Et c'est ce qu'on a filmé. Tu sais quand est-ce que ça sort, quand même? Non. Le 13 novembre, voilà. Alors, Ça, ils sont pas venus pour rien. Alors, cet album, tient juste un mot. On l'a qualifié de plus intimiste, plus calme que les précédents. Alors, c'est marrant parce que la critique a été vraiment dithyrambique sur cet album. Je me souviens d'une une conversation qu'on avait eue tous les deux où je te disais, moi, j'aime Florent Pagny puissant quand il crie. Et tu disais, oui, mais finalement, le public a l'air de préférer le Florent Pagny plus en réserve. Oui, en même temps, ça dépend. Le baryton était très envolé et envoyé. Un homme peut être nuancé, c'est-à-dire d'une part avoir beaucoup de force et d'autre part être très tendre, comme Florent. Et Sylvie, qu'est-ce que t'en penses ? Tu l'as écouté, l'album ? J'ai écouté l'album et j'ai bien aimé. Mais j'aime tout de Florent Pagny. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne reste pas toujours cloîtré dans le même univers. Par exemple, baryton, c'était... Il y en avait un autre avant baryton, dans le même genre, où c'était un peu de la musique d'opéra, c'était... Non, je me suis amusé à faire un album de reprises de chansons françaises en techno. Ah, c'était bien. Où j'ai fait un album de duo, par exemple. Ouais. Mais c'est mes fameux albums atypiques. Gérard ? Il y a une chanson que j'aime bien. Vous évoquez la possibilité d'élever un mur anti-con. C'est une très bonne idée, mais le problème, c'est qu'ensuite... D'ailleurs, il est là. C'est qu'ensuite, le problème, c'est qu'une fois qu'on a élevé un mur anti-con, il faut savoir de quel côté du mur on se place. Mais d'ailleurs, dans la chanson, on le dit, hein, ça peut nous arriver à nous. Donc, on est toujours le con de quelqu'un. Donc, Eh bien, alors justement, ça tombe bien. Merci pour la transition. C'est l'extrait. Surproduction de méthane et de la prochaine guerre en superproduction. La moindre poule faisane pourra se commander en ligne des bombes à neutrons et même des fusées Ariane. C'est fou ce que les gens ont de mauvaises intentions. Alors j'ai détruit les murs de ma maison, le toit anti-bruit, l'abri en béton. Alors j'ai détruit pour garder la raison les portes anti-tas et puis j'ai construit un mur anti-con. Elsa. Moi j'adore ce côté beaucoup plus apaisé que sur vos anciens albums. J'ai l'impression que vous êtes enfin heureux.
Est-ce que je me trompe? Je suis plutôt heureux de nature. Vous étiez un petit peu torturé quand on connaît un petit peu votre carrière, votre séparation de Vanessa, on en a beaucoup parlé. Ça fait longtemps, mais en même temps. Qui que ce soit se sépare, le moment où ça se passe, c'est pas. De, tu vois, c'est normal que tu sois un peu torturé, mais ça dure pas longtemps. Mais la fois où vous êtes coincé le doigt dans la porte, vous avez quand même une main. C'est normal. Non. J'ai lu une anecdote qui m'a surprise et qui m'a amusée. Vous avez décidé d'épouser votre compagne. Femme. Bah oui, parce qu'à l'époque, c'était pas encore sa femme, votre compagne. À la suite du clip « Là où je t'emmènerai ». Ouais. Et ça, est-ce que ça l'a gêné que vous ayez eu l'idée de l'épouser parce que le clip, quelque part, vous l'a un peu imposé? Oh non, j'espère pas. Ou elle m'a rien dit. Et où est ton alliance? C'est vrai que c'est ça. C'est ça, ton alliance? Bah oui, c'est jusqu'à la mort. C'est deux têtes de mort. Attends, je crois. C'est ça, ton alliance, tu vois? Je demande. C'est les alliances du Pentagone. Je suis au psychiatre. Ah non. Regardez, il m'emmerde. Non, est-ce c'est que tu trouves ça normal, une alliance tête de mort? Enfin, cet homme, on le voit, est parfaitement normal. Il choisit l'alliance qu'il veut, il la met au doigt. Le plus impressionnant, c'est le petit doigt. Il assume tout à fait la situation. Et il fait ce qu'il veut avec ce doigt en plus, donc franchement. Oui, alors là, ça, c'est gentil. Caroline, un petit mot sur Florent Pagny. Alors, Florent Pagny, tout le monde pense que c'est un mec bien, et je vais vous dire une chose, c'est un mec bien. Ah ouais. Si, parce que moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens avec qui il a travaillé, et on m'en a toujours dit beaucoup de bien. On m'a même raconté une anecdote que j'ai trouvée formidable, vas-y. D'humanité. Balance. Ben, il a fait un truc génial. Alors, en fait, il y avait une personne qui bossait avec lui, une femme, et puis sa petite fille, après des démêlés avec le papa, est revenue le crâne rasé par son propre père. Et ben, il est allé se raser les cheveux parce que la maman pleurait. Il lui a dit, c'est pour ça. C'est pas grave, et ça va repousser. Non, c'était il y a des années, et je trouve ce geste magnifique. Et ça a toujours pas repoussé. Non, mais d'humanité et de bon cœur. Voilà. Alors, chaque semaine, Mister, je rigole quand je me tords un genou, j'ai nommé Christophe Alévèque. C'est à moi que tu parles. Va dresser le portrait poil à gratter de l'invité. Alors, t'es joueur? Ah bah, j'ai intérêt. Alors, c'est parti, Christophe, souriez. Voilà. Voilà, moi, comme alliance, j'ai mis une alarme, moi. Donc, dès que ma femme approche, ça couine. Alors, Florent Pagny est né, forcément. sinon, il serait pas là. Alors, quand t'es pas né, t'existes pas, hein, sauf le poisson. Voilà. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Sauf le poisson, jamais. Donc, Florent Pagny, né d'un père menuisier, hein, qui voulait menuisier, hein. Qui voulait l'appeler Jésus, mais il a trouvé que ça faisait trop portugais. Florent naît à Chalon-sur-Saône, hein. C'est chez moi, en Saône-et-Loire, la patrie de Nicéphore Niépce, hein, berceau de la photographie pour les incultes. Ce qui expliquera plus tard son amour pour les paparazzi. Alors très vite, les fées de la chanson se penchent sur son berceau. Florent, tu seras chanteur. Voilà, tu changeras de look sans arrêt. Et tu gagneras beaucoup d'argent. Alors fais gaffe à tes déclarations d'impôts. Et t'es petit, il a endormi, il n'a pas entendu la fin. Alors, très vite, le petit Florent donc, se met à chanter. Très, très vite. Hein. Je suis fier d'être bourguignon. J'aimerais, je veux comme en terre dans une cave où il y a du bon vin. Il est donc aussitôt repéré par Christine Bravo. Hey. Oh non! Ouh, toi, dis tu me plais! Chose. Tu passeras dans mes émissions quand j'aurai retrouvé ma corde! Malheureusement, on est là! Alors! Florent chante tout le temps, hein, tout petit, du Sardou, du Luis Mariano, hein. Ce qui fait que grâce aux voisins, donc, il n'a pas besoin de montre. Voilà! On a chanté les Parisiennes sous les soleils de Mexico! Ta gueule, il est 3h du matin! Alors. Et c'est là. Non. Alors, il intègre ensuite le conservatoire lyrique de Levallois-Perret, hein, où son look de loubar, hein, tu vois, un peu à l'époque, hein,
tranche un peu avec l'ambiance générale quand même, hein, et c'est donc après 3 années d'études intensives qu'il devient en 1980 barman dans une boîte de nuit. Là, il est repéré donc par un agent de cinéma, Dominique Bechnerard, hein, qui passe et boire un cul. C'est pas une bonne joke, hein. Faut rien dire. Hein? On parle pas. Ah bon? Laisse-le continuer. Voilà. Et qui sent tout de suite en lui le grand acteur que... Qu'il le... Salaud. Fumier. Dégage, oublie. Et voilà. Et voilà. C'est donc après une carrière au cinéma, il se décide enfin à écouter les fées qui reviennent lui dire... Ils avaient dit chanteur. Et se lancer. La fée avait dit chanteur. Chanteur. Et se lancer dans la chanson avec un premier titre, Boomerang, hein, qui reprend aussitôt dans la gueule. En 1987, le vrai départ, hein, premier 45 tours, n'importe quoi, hein, c'est n'importe quoi, qu'il écrit en une nuit, hein, en une nuit, il en vend 1 million. Il est con, il l'aurait écrit en 2 nuits, il en aurait vendu 2 millions. Mais Florent est jeune, et quand on est jeune, bon, ben, on est un peu con, quoi. Non, mais c'est vrai, moi, quand j'étais jeune, j'étais très con. Non, mais là, les jeunes, là, bah, faites pas cette tête-là. De toute façon, il y a rien, ils comprennent même pas ce que je dis. Hein, tu vois. C'est vrai, ils descendent dans la rue, là, quand Le Pen est au deuxième tour des présidentielles. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est méchant, tu vois. Et puis on leur demande s'ils ont voté, ils font, oh, ben non, j'ai oublié. Alors, Gérard Miller, jeune, était très con aussi, tu vois. Hey, vive Mao! Attends. Bref. Bref, mais Gérard n'a pas changé. Bref, en 90, donc, c'est le premier album, hein, qui... Merci, hein. Il est très poli, le gars. Et merci, il l'appelle son album, parce qu'il est content. Hein, pas merci beaucoup non plus, mais bien élevé. Florent Pagny ne refuse jamais un autographe. Jamais, hein, c'est vrai, ça. Jamais, jamais, sauf, bon, aux inspecteurs des impôts. Bon, là, la période... Oui, oui. Ah bah attends, ça nous a quand même marqué. Moi aussi. Donc, la période... Et non, et puis le bonheur, si tu veux. Moi, ça m'intéresse pas, ça fait chier tout le monde. Alors, d'accord. Oui, période, ça roule, donc des mécaniques aussi. Un peu à l'époque, un peu période, je me la pète un peu, mais toujours poli, hein, je me la pète, mais c'est pas boire, hein, tu vois. J'aime bien. Et là, rencontre avec Vanessa Paradis, changement de look, hein, donc, et patatras, séparation. Bon, faut dire que la presse People ne les a pas aidés, hein. On peut le dire, hein, ils étaient planqués partout, les épiés, les espionnés, les morpions. Hein, c'est les morpions pour s'en débarrasser, c'est pas facile. T'en sais quelque chose. Hein, oui, demandez à Christine. Où? Ben non, je ne peux pas vous dire où. Oui, alors il s'en prend à la presse, hein, qui fait aller, la presse People, hein, tu lis, tu chies. Oh. Et il écrit une chanson où il les attaque, presque ils roulent, hein, voilà, on s'en souvient, pas vraiment cool, me casse les queues, 3 petits points, on n'a jamais su vraiment. Mais poli, toujours poli. Et puis de toute façon, couille, ça passe pas à la radio. Du coup, les médias le boycottent, hein, bon, ils rament un peu derrière. Deuxième album s'appelle Ne l'achetez pas, hein, tout le monde l'écoute, effectivement. Changement de look. Arrive le troisième album, Restez vrai, et à partir de là, alors là... Suivant, il en vend, mais à la tonne, des millions, tout marche, il sort un album, il en vend des millions, tout ce qui se touche se transforme en or, à tel point qu'il ne peut même plus aller pisser tout seul. Tout ce qui touche se transforme en or. Ah, vous avez compris ce que... Il ne peut plus pisser, sinon il se transforme en or. Tout va bien et patatras. Patatras, le procès. Les huissiers remplacent les paparazzi chez lui, tu vois, huissier, quand même, quel drôle de métier, bon, enfin, huissier, déjà, dire de, je suis huissier, déjà, c'est dur, enfin, métier qui prouve que les prostituées peuvent avoir des enfants. Hein? Ah ben oui. Ah, toi, ils vont pas te rater, hein. Non. Ben oui, mais bon. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai déjà donné, hein, alors... Finalement, oh ben c'est pas fini, alors. Finalement, bon, il reconnaît une partie des faits, il dit qu'il s'est trompé. L'autre partie, il est blanchi, 6 ans d'emmerde, un procès, et au bout du compte, il doit payer la somme de 15 000 euros.
C'est pas énorme. Mais non, avec le nombre d'articles qu'il y a eu dans la presse, moi je pensais qu'il devait, je sais pas, des millions. Ouais. Des millions. Moi aussi, j'ai cru ça, un moment. Putain, punaise, ils ont dû se gourer dans les calculs. Putain, refaites-lui un contrôle fiscal. C'est vrai. Attends. Non, c'est vrai, t'as raison de souligner ça, parce que c'est vrai, que tout ce battage pour 15 000 euros, même si c'est beaucoup d'argent, 15 000 euros, par rapport à ce que tu gagnes, c'est que t'as pas dû arnaquer beaucoup. Ah bah attends, mais j'ai pas arnaqué du tout. Oui, pardon, alors... Écoute, il y a un moment, quand ça démarre, les mecs, ils peuvent pas se dire qu'ils ont tort tout de suite. Voilà. Donc ils mettent longtemps avant d'admettre, mais à un moment, ils peuvent plus admettre qu'ils ont tort. Voilà. Donc ça va jusqu'au bout, et puis à un moment, il y a un juge qui doit décider. Même la première fois, ils auraient pu comprendre que là, ils avaient vraiment tort, parce qu'ils avaient perdu une fois. Ils y retournent à la deuxième en appel, et ils se le perdent vraiment. Mais juste, il y a eu un petit quiproquo dès le départ, et ils ont pas voulu lâcher le morceau, et moi non plus. Pardon. Non, mais je vous en prie, c'est votre émission, baronne. Alors, non, ceux qui ne l'ont pas aidé, je pense que c'est la chanson Ma liberté de penser. Hein. Bon, ah, alors, comme je n'ai pas envie d'être méchant, je ne dirai rien sur cette ânerie. Ma liberté de penser, je trouve que c'est une chanson drôle. Non. Alors là. Oh oui, puis elle est entraînante et tout, moi j'aime bien. D'un sujet grave qui est peut-être embêtant, moi je trouve cette chanson est drôle. Je trouve qu'il faut là-dessus être précis. Il faut quand même dans ce pays tenir compte des résultats des procès. Ce type, on lui a craché à la gueule pendant des années, on s'est moqué de lui dans toutes les émissions. Ouais. Il a quand même, en fin de compte, gagné son procès en justice. Eh ben, je suis désolé, ça mérite que cette liberté de penser soit reconnue comme telle. Bravo Gérard. C'est vrai, bravo. Enfin bon, fin de l'histoire, du coup il change de look. Alors, je comprends pas. C'est une bonne chute. Et c'est bien. Alors, histoire qui a quand même des moments épiques. Hein. J'ai vu le dossier où je dois bien l'avouer. J'aurais agi de la même façon, hein, comme lors d'une saisie, hein, donc qui devait avoir lieu chez lui. Donc tous les objets avaient été répertoriés. Les huissiers, donc se pointent, tous les objets devaient être saisis et avaient disparu le jour de la saisie. Et là, donc, il dit aux huissiers, écoutez, les meubles n'étaient pas à moi, sauf les 70 bouteilles de Grand Cru que des amis ont bu lors d'un débordement de fête. Eh bien, moi, je dis bravo. Merci. Alors bon, tout ça, c'est terminé. S'il est là, c'est pour nous parler d'autre chose, de musique. Florent Pagny, né en Saône-et-Loire, et comme le bon vin, il se bonifie avec l'âge. Merci, Christophe. Je rappelle la réédition de l'album Abracadabra de Florent Pagny avec en bonus un DVD live chez Mercury qui sort le 13 novembre. Et là-dessus, on va accueillir un nouveau camarade. C'est la révélation du festival Juste pour rire 2003. Il s'appelle Thomas Sislet, traduisez le nouveau comique français qui monte. Je l'accueille debout pour son spectacle stand-up. Thomas Sislet. Alors, depuis le 4 octobre, on peut acheter son DVD stand-up qui est mis en scène par Kader Aoun. Alors, moi, je vous ai découvert dans ce DVD. Je ne savais pas qui vous étiez. Vous êtes beau garçon, vous ne me regardez pas comme ça. Tu veux qu'il te regarde comment? Je ne sais pas, regarde-moi normalement, quoi. Mais il regarde normalement. Comme si j'étais pas une femme belle, je sais pas. Ça me trouble. J'ai vraiment beaucoup ri, c'est une sorte de conversation qui est truffée de vannes et sur des sujets plutôt sociétals d'ailleurs, qui sont dans l'air du temps. C'est assez pertinent, j'ai fait un bon pitch. Très bien vendu, merci, au revoir. Si vous voulez, on va regarder un petit extrait pour ceux qui connaissent pas Thomas, parce que c'était mon cas il y a encore pas si longtemps, regardez. T'es pour moi faire la guerre au nom d'une religion, ça revient à se battre parce qu'on n'est pas d'accord sur qui a le meilleur copain imaginaire. Et c'est incroyable à quel point les gens sont devenus d'une bêtise avec tout ça, vraiment. C'est-à-dire que moi, avec toutes ces conneries, je peux plus prendre l'avion tranquillement avec un coupon houille sur moi. Je vous jure que c'est vrai, la dernière fois j'avais un coupon houille, on m'a dit « Ah non, on ne peut pas vous laisser rentrer à bord avec ceci pour des raisons évidentes de sécurité. » Il faut quand même être super fort pour réussir à détourner un avion avec un coupon houille. Ils pensent que je vais faire quoi? Que je vais défoncer la porte du cockpit, je vais attraper la jambe du pilote? Écoute-moi bien, pilote de mes deux, tu vas faire exactement ce que je te dis maintenant, sinon je vais te couper les ongles des pieds super courts. Je vous jure que c'est vrai, tu prends l'avion vers les États-Unis, les douaniers ils posent la question, monsieur, êtes-vous un terroriste? Moi, une fois, pour déconner, j'ai répondu oui. Le mec, il a levé la tête, il m'a regardé, dans ses yeux, il avait écrit « Putain, j'en ai attrapé un ». Alors, c'est un DVD.
qui a été enregistré au Bataclan le 18 avril 2006 et qui est sorti le 3 octobre. Alors pour moi, votre particularité, c'est d'être vachement pestouille. Pestouille ? Oui, peste. Par exemple, il y a un mec qui tape au mur la nuit et que... qu'est-ce que vous dites ? Vas-y, dites-le, soyez drôle. C'est ce que je dis, parce que... j'explique, effectivement. Voilà. Je dis que j'aime bien écouter de la musique. J'écoute énormément de musique, vraiment. Mais j'ai un problème, c'est que je vais me coucher très tard. Et j'adore écouter la musique très fort. Donc j'écoute la musique très fort, très tard. Et j'ai un voisin, et les murs sont fins. Et du coup, mon voisin, à chaque fois, pour montrer qu'il est bien énervé à cause de la musique, il tape contre le mur super fort, tu vois. Moi, il y a un truc que j'adore faire quand il tape contre le mur comme ça, c'est de lui crier « Je peux pas ouvrir !»« Je sais pas ce qu'il y a de ton côté, mais ici, c'est tout plat !»« Fais le tour !» Alors, c'est ça, Tomer. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était très différent des humoristes qu'on a l'habitude de voir, genre Christophe Lévesque. Tu vois que c'était très original. Non, mais... non, c'est pas vrai, Christophe. J'ai trouvé que c'était... Non, parce que justement, très Christophe, il a une grande particularité qui est... C'est qu'on peut le tout mec... lui dire. Voilà. Et il accepte tout, il rigole de tout. Oui. Regarde. Exactement. Et qui est toujours en colère. Sauf qu'on me compare à un autre comique, ou voire mieux. Alors que lui, je trouve qu'il est, il est presque naïf dans des trucs. Bah vas-y, continue. Non, vas-y, enchaîne. Non, mais attends, c'est une super belle promo que tu fais pour le DVD. Vraiment, c'est mais magnifique. C'est, tu me tutoies. Pardon, vous. Non, mais j'aime bien que tu me tutoies. T'as quel âge ? Alors. T'as quel âge ? J'ai 32 ans. Est-ce que Florent peut venir à côté de moi parce qu'il se fait chier, là ? Qu'est-ce que, je sais pas, vous l'avez regardé le DVD, les copains, là, alors. Tomer, il a réussi un exploit. Moi, je vous ai découvert, j'ai été voir votre spectacle, mais encore avant, lorsque vous faisiez la première partie d'un artiste dont on se dit la première partie est impossible tellement il est populaire et tellement la salle est chaude. C'est la première partie de Jamel. Vous imaginez comment était le public en attendant Jamel? C'était dur, ils vous ont... C'était difficile, ouais. Ils ont crié en disant non, dehors. Déjà, une première partie, en règle générale, c'est pas évident. La première partie de Jamel, surtout à l'époque, c'était... Ajoutons une chose, c'est que dans cette salle extrêmement bigarrée comme l'est la France, il a commencé avec ses sketchs sur « Je suis juif, je suis arabe » et en allant en plein dans l'actualité, ce qui est un des charmes de ce spectacle. Comme Christophe, c'est vrai, vous êtes parmi les rares à oser parler un petit peu de l'actualité. Ouais. Sur scène. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder votre DVD. Je me suis marrée. Il y a un truc. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le clou de votre spectacle, mais à un moment, vous vous demandez où se cache Ben Laden. Et vous vous dites, c'est sûr, il se cache dans le groupe ZZ Top. Ça a l'air très con comme ça. Mais... ça tue bien. Ça m'a fait rigoler. Stevie, t'aimes bien, toi ? Moi, j'ai un peu de mal avec ce genre de... C'est pas que j'aime pas, hein. C'est pas tout à fait, parce que j'ai quand même parfois ri, mais j'ai... Stevie, t'as pas voulu être mon invité ! Mais non, mais moi, ce qui me fait peur, c'est justement rigoler avec l'actualité. Parce que c'est bien... Bah, Bedos, c'est toujours fait... Oui, mais bon, je suis pas de la génération Bedos, excuse-moi, je suis de la génération Tomer Sisley. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où... Stevie, on a parlé avec Stevie. Stevie, ce qu'il aime dans le théâtre, c'est le décor, et il a rêvé. C'est pas que j'aime pas, mais ça me fait trop réfléchir, en fin de compte, à plein de choses quand je regarde ce genre de spectacle. Ouais, c'est vrai, et j'arrive pas. Mais c'est bien, parce qu'il faut réussir à en rigoler. Mais quand on pousse le truc, on a vu le truc de la caricature, les proportions que ça peut prendre. Alors vous pouvez vous permettre, parce que vous avez des origines. Mais tout le monde a des origines. Mais oui, tout le monde. Ce qui veut dire, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui seraient offusqués s'il avait les mêmes vannes en n'étant pas moitié juif et moitié arabe. Mais il est comme pas il joue moitié juif pas. Et moitié arabe. C'est... Non, il je sais pas. Mais comme il a le physique... Ah ben là, c'est pas drôle. Ah ben, c'est incroyable. Il est yéménien, en fait. Justement, il n'est pas ce qu'il prétend être, Gérard. Non, mais c'est très choquant, ce que tu dis. Mais oui, si c'est drôle et respectueux des gens, ce qu'il fait, ça serait évidemment possible. Mais j'ai pas dit que c'était irrespectueux. Il peut parfaitement y avoir des non-juifs qui racontent des blagues sur les juifs, si c'est pas raciste, enfin, ça ne pose aucun problème. Il dit qu'il a du mal à rigoler. J'ai du mal à rigoler. Alors, on a tout essayé, même de suivre nos invités à leur insu. C'est la mission que nous avons confiée à Jérémy Michalak. Alors, il faut dire qu'on n'a pas vraiment eu le choix. C'est le seul qui peut se planquer en entier dans vos poubelles ou dans votre boîte à gants. Il vient nous raconter ça en détail. Jérémy Michalak. C'est pas
Voilà, je pense que dès demain, on va m'appeler le fouille-merde du PAF, puisque j'ai suivi Tomer pendant toute une semaine. Et le lundi, voilà comment Tomer a commencé sa semaine. Comme chaque semaine, le lundi, Tomer Sisley teste ses vannes devant des anonymes. Alors, vous savez, c'est comme pour les disques à la radio. Pour être sûr que les gens les aiment, on fait un sondage. Et bien, Tomer, il fait pareil, mais en vrai, face aux gens. Alors, il a commencé par tester sa fameuse vanne sur la drague. Bon, sans surprise, ça marche plutôt bien, la réaction est excellente. Il a enchaîné ensuite avec sa vanne sur les chauves. Voilà, c'est carrément le grand succès. Puis il a enchaîné ensuite sur le sketch dans lequel il explique qu'il est à la fois juif et arabe. Et là... Bon, ça fait pas rire tout le monde. Il fallait être courageux, c'est pour terminer, il a tenté de raconter son expérience dans la sitcom avec Séverine Ferrer. Et là... Oui. Mardi. Alors le mardi, votre truc, Thomas, on le disait, c'est le stand-up, littéralement être debout ou rester debout. C'est donc tout naturellement que l'on vous a vu dans le 11e arrondissement vous rendre dans les locaux de l'AMSU, l'association des malades du stand-up. Et ne rigolez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres, puisque certaines personnes, des fans de stand-up, sont atteintes de cette pathologie et vous ont pris au mot. Enfin non, quand je dis au mot... C'est moi ça, Stevie. Et c'est Tomer juste à côté, hein, pour information. Mais c'est pas moi, c'est une photo moi. Je me travelote pas tous les jours non plus. Non, enfin, quand je veux dire qu'ils vous ont pris au mot, enfin je veux dire qu'ils vous ont pris à la lettre. Et se sont dit que pour faire un bon stand-up, eh bien il fallait rester debout. Rester debout longtemps. Rester debout tout le temps, même quoi qu'il arrive. Rester debout quoi qu'il arrive, même si ça picote un petit peu à la tête. Mercredi, Jérémy. Qu'est-ce qu'il a fait, Tomer? Alors, le mercredi, Tomer, anniversaire de votre nièce. Car on sait que vous êtes à la fois juif et arabe né en Allemagne. Bon, déjà, ça, fallait pas être rancunier. Je pense qu'à la maternité, ils ont dû un peu tirer la gueule quand ils vous ont vu arriver là-bas. Mais on sait moins, en revanche, qu'une partie de votre famille vient d'Amérique du Sud. Et c'est dans la plus pure tradition latine que vous avez initié votre petite nièce au jeu de la piñata. Vous savez, ce jeu dans lequel il faut casser un truc plein de bonbons en ayant les yeux bandés. Sauf que là, vous avez complètement perdu la boule, Tomer. C'est ça, la vous avez perdu la boule, voire même peut-être les deux. Et quand je dis que Tomer a perdu la boule, voire peut-être même les deux boules, faut savoir qu'après, il parlait un petit peu comme ça, même. Tomer. Bon, alors jeudi, c'est la catastrophe, non pas pour Tomer, mais plutôt pour moi, c'est même la loose, puisque je suivais Tomer en scooter depuis près de 3 heures, jusqu'à ce que Guy Carlier déboule et me coupe la route. Bon. Bon, alors là, forcément, pour voir quelque chose, mon pote, impossible, fallait t'accrocher, donc foutu pour foutu, je me suis dit, je laisse tomber, j'arrête de pister Tomer, je cale une RTT et je vais me faire un bowling avec mon pote Francis. Vous savez celui qu'on appelle le boulet? Et il porte bien son nom, Francis, hein. Vendredi, Jérémy. Le vendredi, c'était hier, Tomer. Eh bien, vous avez réussi à me semer, certes, et c'est dans l'angoisse la plus extrême que je m'imaginais déjà en train de trouver des excuses pour me justifier devant ma nouvelle patronne. Vous savez, celle qu'on voit faire de la gymnastique dans les clubs, dans la presse. Oui, vous avez vu cette photo? Oui, c'était dans la presse de la semaine dernière. Eh bien, en exclusivité pour vous et pour nous et pour notre plus grand plaisir, nous avons cette fois-ci des images vidéo de Christine en pleine séance d'abdos. Il est excellent. Merci Jérémy Michalak. Je rappelle que votre DVD, Tomer Sisley Stand-up, est dans tous les bacs et vous serez en tour. Pardon, et vous serez. Vas-y. Donc je serai au Casino de Paris le 23, 24 et 25 mars. Merci, au revoir, Tomer. Il y a encore Tomer Sisley.
faut dire qu'il est en tournée dans toute la France aussi. Et il est en tournée dans toute la France. Allez, chaque semaine, le cultissime Gérard Miller va nous décortiquer avec un axe psy un travers de l'invité. T'as des travers, toi? Oh putain, j'en ai un paquet. Voilà. Aujourd'hui, donc, Florent... Je suis scorpion, quand même. Le... Ah ouais, scorpion, j'adore, ma fille. Non, bah, toi, t'aimes tout, tu vois. Voilà. J'ai 32 ans et mais je suis scorpion. Mais oui, l'autre, barré. Il reste plus que toi. Il reste plus que toi. Ouais, merde. Alors, vous êtes déjà allé voir un psy, Florent? Non. J'en connais plein. Alors Gérard, on vous écoute. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas jouer du tout au psy. Je me lève simplement pour pas qu'on confonde ma chronique sur vous avec celle de Christophe. Et t'inquiète pour prendre pas, un ton un petit peu plus... Et prendre un ton un tout petit peu plus professoral. Je vais commencer par un aveu vous concernant. Je crois que depuis 20 ans, chaque fois que je vous ai vu dans une émission de télévision à laquelle vous participez, je ne vous ai jamais reconnu. Il m'est même arrivé, cette chose incroyable, de quitter des yeux l'écran de télévision pendant 10 minutes et quelques instants plus tard de demander, mais enfin, qui est ce type sympa qui chante plutôt bien? Mais t'es en boucle, en fait. Alors, évidemment, je pourrais me dire que je ne tourne pas rond, mais vous êtes la seule personne, Florent, avec qui ce phénomène de non-reconnaissance à répétition se produit. Et donc, j'ai une explication. D'accord. Je crois que si je ne vous reconnais jamais, ça n'est pas simplement parce que vous changez de look. Je crois pas non plus que je ne vous reconnaisse pas parce que, disons, vous chantez d'orientation musicale. Je ne crois pas ça. Je crois que vous n'avez pas encore décidé, et je suis sérieux, qui vous étiez. Vous n'avez pas encore choisi vraiment entre vous-même et vous-même. Je continue juste. C'est possible? Oui, oui, oui. Tout petit, c'est vous qui l'avez déclaré, tout petit, je ne voulais pas seulement être un voyou insolent. Je voulais aussi être un enfant sympa. Je ne voulais pas seulement être un abruti, je voulais aussi être un enfant intelligent. Et vous ajoutez, je voulais tout ça à la fois. Et vous avez dit d'ailleurs quelque part, je suis quelqu'un de multiple. Ajoutant d'ailleurs cette remarque qui pourrait surprendre plus d'un neurologue, je n'ai pas qu'un seul cerveau. C'est vrai. Alors, ah, j'aimerais bien. T'as dit ça? Rendez celui de Stevie, ça lui rendra service. Oh. Alors, non, ça c'est pas bon, camarade. Non, 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 si je l'ai, c'est qu'il est bien. Ce qui fait vraiment votre différence, ce qui fait que vous n'êtes pas comme nous, c'est que chacun de nous, passé, disons, l'adolescence, finit par dessiner les grands traits du personnage qu'il va jouer dans sa vie. Et vous, vous avez envie de rester à l'état d'esquisse, à l'état d'ébauche, comme si vous étiez le brouillon de vous-même. Je trouve qu'Abracadabra, c'est un titre qui vous va très bien. Parce qu'en effet, comme un magicien, chaque fois que vous le pouvez, vous faites sortir d'un chapeau un lapin. Mais seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes à la fois le magicien et le lapin. Alors je dirais pour conclure cette chose très simple. C'est que vous êtes né en effet un 6 novembre à Châlons. Mais depuis ce jour, j'ai l'intuition, et vous me direz si je me trompe, que vous continuez chaque jour d'accoucher de vous-même. Bravo. Alors, attendez. C'est très brillant. Et moi qui ai effectivement fait une psychanalyse pendant longtemps, je trouve qu'il y a des choses très pertinentes. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui, dans ce qui t'a dit, qu'est-ce qui te semble le plus vrai? Ce qui se passe, c'est que j'ai ce fonctionnement-là, c'est que dès que je suis toujours curieux d'autres choses, donc d'autres mondes, d'autres univers et d'autres personnalités qu'on a tous. Ouais. Quand quelque chose m'arrive d'important, je me dis que ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'autre chose. Et je suis toujours en permanence, en mutation interne. En gros, ça s'appelle un artiste. Oui, c'est vrai, c'est joli. Oui, oui, oui. Et en même temps, c'est vrai que je ne sais pas écrire, je ne sais pas faire de musique. Je n'ai que cette voix. Si, je rigole. Est-ce que c'est pour ça, par exemple, que tu changes de look tout le temps? Alors ça, c'est en effet pour justement m'amuser avec ce côté apparence, pour ne pas m'ennuyer, pour ne pas ennuyer aussi, en plaisantant, je dis c'est pour ne pas ennuyer ma femme, qui a l'impression d'en changer. Et elle en a même besoin temps, non, parce qu'à la fin, la personnalité reste la même. Et donc, il faut mais là, par exemple, suivre. Ce look-là, là, c'est... Ah là, j'arrive un peu au dernier, là. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais... Non, tu ça commence pas, un petit tu, peu tu, à... Tu ça commence un du... peu à... Ouais, mais ça, c'est bouc. Normal. Il blanchit du bouc. Je blanchis du bouc, mais je commence à les perdre un peu. Et le meilleur moyen de ne pas trop le voir, c'est de couper court. Donc, j'arrive un peu à mes derniers looks. Mais là où il a raison, c'est que moi, mon... Gérard, j'ai l'impression que tu en as de plus en plus.
Mon prochain look, il est en effet pas très loin de l'abracadabra, parce que c'est vrai que le côté disparaître m'intéresse bien. Je pense en effet que ce à quoi vous aspirez, ça va être une voix sans corps. Bien sûr. C'est pas vrai? Oui. Ça s'appelle un disque. Alors Florent, c'est vrai que je t'ai reçu à peu près 2000 fois dans mes diverses émissions. Alors je sais absolument tout sur toi. Alors je suis obligée de te poser des questions que je t'ai déjà posées, si ça ne te dérange pas. J'espère que je vais te donner les réponses que je t'ai déjà répondues. Eh bien, on va voir. Alors par exemple, je t'avais posé une question dans Froufrou en 1992. Ah bah. Tu te rends compte de... À mon avis, je ne vais pas me rappeler, mais... Mais... Alors la question, c'était... Pour vous plaire, il faut être jolie, intelligente et emmerdante. Vous avez dit, je n'aime que les emmerdeuses. Ah bah, il me faut un peu de caractère. C'est-à-dire, il faut me supporter d'abord. Et pour me supporter, il faut être un peu emmerdeuse. Donc mais bon, là, tu dis que... Depuis, en vieillissant, la dernière, je l'ai pris un peu moins emmerdeuse qu'avant. Ça va vachement mieux. Ah, c'est un scoop. Alors... On va te revoir en 1992. On va te revoir, Christine, surtout. Oui, allez, on regarde. On va se revoir en 92. Pour vous plaire, il faut être jolie, intelligente et emmerdante. Vous l'avez dit. Vous avez dit, je n'aime que les emmerdeuses. Oh, la chute. À côté de toi et qui est là, tes petits souliers. Et bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais par contre, à l'intérieur d'un couple, qui est une forme de dualité, je trouve ça plutôt fun, quoi. Tu n'as pas changé. T'as vu, hein? Alors... Je me suis arrêtée sur quelques titres de ton album Abracadabra, qui est en vente partout. Ah ouais, arrête. En vente libre. Alors, libre. Je me suis notamment arrêtée à une chanson que j'adore, qui s'appelle Le Mur, où tu parles d'ériger un mur anti-con. Alors, d'abord, première chose, c'est quoi un con pour toi? Ou une conne? Oui. C'est, par exemple, des gens qui votent pas comme toi, c'est des gens qui pensent pas comme toi, ou c'est des gens qui sont incultes. Non, je crois que c'est une évolution de... C'est plus un mur anti-conneries. Alors, forcément, elle est véhiculée par les cons. Et après, comme je le dis aussi dans la chanson, comme on est toujours le con de quelqu'un, à un moment, oui, on est tous cons. On est à 100% de cons, finalement. Alors, ben oui, fait on peut, on est parfois, tous. Parfois, tu es très con. Mais bien sûr. Ah par exemple, quand tu fais quoi? Ben, j'ai des moments où au lieu de rester calme parce que on m'a pas laissé la priorité, ben je peux gueuler. Espèce de connard, tu me fais chier. En bagnole. Et à ce moment, oui, en bagnole. Bah ben, oui, c'est souvent là qu'on est très con, la bagnole. Et puis l'être humain est multiple et complexe, donc ben, voilà, il a, alors, il a des bons jours. Tu auras un truc très très mignon. On a trouvé nous un mur anti-con à Paris. Alors c'est à Montmartre, il est place des Abbesses, on y trouve 311 déclarations d'amour, toutes dans des langues différentes. Oui, c'est super, c'est place des Abbesses, vous pouvez tous y aller, moi je trouve ça vraiment sympa. Pour aller vous dire je t'aime. Alors attends, alors ça j'ai adoré, pendant qu'on en est à la connerie, figure-toi qu'il y a une initiative aux États-Unis, ça se passe dans le Maine, dans l'état du Maine. Alors figure-toi que tous les enfants qui ont un papa qui est sur le front en Irak, eh bien, l'armée américaine lui envoie un flat daddy, c'est-à-dire un papa plat, pour le remplacer pendant qu'il est à la guerre. Qu'est-ce que t'en penses, ça, de cette initiative pédagogique, entre guillemets, américaine? Bah, tu peux jouer aux fléchettes, déjà. Je trouve ça un peu bizarre. Maintenant, ça serait mieux que le papa soit là, en vrai, quoi. Oui, bah ça, oui. Bah, ce que tu dis assis, je peux le dire debout, si tu veux. Vas-y. Qu'est-ce que ça... Tu vois, je suppose que le môme, il a des photos chez lui. Donc, il en a une un peu plus grande, ça va pas... Mais vous imaginez, quand le vrai père revient... Maman, il parle! Il parle, papa! Grave, franchement. C'est cette semaine. Alors, moi, ça m'a terriblement choquée. C'est ridicule. Surtout s'il père meurt. La mère est obligée de déchirer le carton, c'est atroce. Non, mais elle n'a pas tort. Si le père... Non. C'est les photos, c'est rien d'autre qu'une photo. Non, non, Gérard, c'est un papa plat qu'on peut déplacer, d'ailleurs. Vous allez voir, je l'ai fait à l'identique avec un flat pani, vous allez voir. En fait, c'est le flat pani... Laurent est en Irak. Alors ça, c'est le flat truquier. Ça, c'est le flat pani. Ça se présente comme ça chez les petits enfants américains. Par contre, ce qu'il y a de bien dans celui-là, c'est qu'il est grand et costaud, dis donc. T'aimes bien, tu le préfères? Ouais, bah, je trouve qu'il a la bonne taille. Alors, en tout cas, le flat pani, moi, je propose qu'on le garde pour les 6 mois où t'es pas là, où t'es en Argentine. Et alors, j'ai fait venir le flat patron. On dirait patron. James Bond, regardez. Oui, le flat patron. James Bond, et alors là, je m'adresse à mon pote Gérard. Où est-ce qu'on pourrait le mettre dans cette assemblée? Je suis un bon camarade. Je pense qu'il ne faut pas le laisser trop près de toi parce que ça va t'angoisser.
angoissé. Il faut donc le mettre dans un endroit où il sera plutôt à l'aise, à mon avis plutôt bien, plutôt content de lui, plutôt bien. Moi, je le mettrais plutôt par là, si vous voulez bien vous pousser entre les deux garçons. J'ai l'impression qu'entre vous deux, ça vous gêne pas de l'avoir comme ça. J'ai l'impression qu'il sera plutôt bien. Alors, ton album s'appelle Abracadabra. Est-ce que tu sais ce que ça signifie en araméen? Ah, non. En araméen? Ouais. Et qu'est-ce que c'est araméen? Qu'est-ce que c'est l'araméen? Bah, c'est une langue. C'est la langue originelle. La langue de la Bible. Voilà. Ouais. Et ça signifie... Et qu'est-ce que c'est la Bible? Ça signifie il crée comme il a parlé. Donc, tu vois, je t'embauche à quoi? Il crée comme il a parlé. Est-ce que tu fais des tours de magie à tes enfants? Pas du tout. Comme ton album s'appelle Abracadabra. Ah. Oh. Regarde. Mais non, mais parce que... Je range le foulard bleu. Vous avez bien vu le foulard bleu? Je range le foulard bleu. Il est bien dans ma main. J'ai pas Il est dans ta main, oui. Eh ben, il est dans ma main. Merci. Si l'émission marche pas, tu pourras faire les goûters des enfants. Merci. Pareil. Sachez, cher Florent, que j'aurai le plaisir de recevoir chaque semaine le pétillant Mustapha El Atrassi, qui a des combines à tout casser. Alors cette semaine, il propose les bons plans pour devenir riche. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Mustapha El Atrassi. Et la place du chef. Merci pour le job. C'est bien, même si c'est nul, maintenant tu resteras. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme ça que j'ai prévu de faire ma carrière. Alors, Mustapha. Laurent, si ça se passe bien, t'en auras un. Non, non, mais j'ai eu peur d'ailleurs à un moment, j'ai bien de faire les deux. Mais j'y ai pensé. Écoute, là, je comme avoue que j'y ai pensé. Attendais pas, tu l'as bien fait. Hein. Tu t'y attendais, Christine? Non, mais enfin, il y a mon papa qui est dans le public, il est pas content. Dis donc, ton père, il est plus jeune que toi, non? Mustapha. Oui, elle a tracé. Écoutez, avant toute chose, Christine, vous l'avez bien vu, je suis très content de travailler avec vous, à participer à cette nouvelle aventure pour arrondir mes fins de mois. Et je me dis que quand je regarde le plateau, je me dis que finalement, c'est un peu un remake de Union Libre que vous êtes en train de nous faire. Tu vois, autour de la table, il y a un arabe, un juif, un homo, des femmes, c'est exactement pareil. Bon, d'accord, j'aurais peut-être pas dû révéler devant toute la France que Christophe Alévèque était homo, mais il fallait que ça se sache. Forcément, c'est pour toi. C'est que de l'amour. Ok, alors Florent Pagny, moi je vous aime bien, vraiment. J'ai pas envie de vous pécho, n'ayez pas peur, c'est juste artistique. Et vous avez trouvé le bon filon pour devenir riche. Vous avez vraiment trouvé le bon filon. Avec votre album Savoir Aimer, vous êtes devenu le plus gros vendeur de disques en France. Et moi j'ai fait comme vous. Je me suis dit que pour être riche, il fallait savoir aimer et être aimé. Le problème pour être aimé, c'est qu'il faut donner beaucoup d'argent et être très généreux. Et du coup, je suis redevenu pauvre. J'écouterai plus jamais votre album. Plus jamais. Mais être riche, c'est relatif. Moi, je sais que là où je viens, il y a à peu près deux classes sociales. Il y a les pauvres et il y a ceux qui n'ont pas d'argent. Je me souviens que quand j'étais petit, j'avais des rêves du genre... C'était pas du genre, moi, oh, quand je serai grand, je serai aviateur. Moi, c'était des trucs du genre, oh, quand je serai grand, je serai RMiste. Je me souviens, la première fois que j'ai touché le RMI, ma mère, elle a pleuré. Hein. Je vous jure, elle a invité tous les voisins à une petite fête, elle était fière de moi. Elle a dit, mon fils a réussi. Et tout ça, son diplôme. Voilà. Moi, si je veux devenir riche, c'est que j'ai trop longtemps été pauvre. Je vous expliquais, ma famille, c'était vraiment la misère. Dans ma famille, il n'y avait pas trop à manger. Et quand c'était vraiment dur au niveau de la bouffe, ma grand-mère, ce qu'elle faisait, elle nous réunissait tous dans le salon. Elle nous faisait des trucs du genre, bon, bah, j'ai trouvé une solution pour qu'on puisse manger correctement. On prend le plus gros d'entre nous et on l'attaque. Un autre petit conseil, si vous voulez devenir riche, devenez moche. D'ailleurs, je vois qu'il y a pas mal de milliardaires potentiels autour de la table. Non, non, vraiment, non, mais il n'y a pas de secret. Hein. La plupart des riches sont laids. Il faut être vilain pour être riche. Regarde, Paul Lussulitzer, Bill Gates, Karl Lagerfeld. Moi, quand je les vois, je me dis que tout compte fait, je vais peut-être encore rester un peu pauvre. Voilà. C'est pas mal, tout compte fait. La richesse est relative, je voulais dire. Moi, de là où je viens, il ne faut pas des millions pour être riche. Par exemple, si un mec va au Grec et prend un sandwich, salade, tomate, oignon, plus frites, tout le monde le regarde le travers, genre, ah, ça y est, t'as de la thune et tu te la joues, c'est ça. Chulé, va. Moi, il y a un truc qui me fait rire pour clôturer, je dirais que ça me fait marrer les expressions vivre d'amour et d'eau fraîche. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Moi, je vis seul et on m'a coupé l'eau. Je suis dégoûté. Bon week-end, merci à tous. C'était Mustapha. Dans la semaine, dont on a tout essayé. On va tout de suite au Takafir. Bonjour.
Voilà, on arrive au terme de l'émission. Est-ce que tu connais le principe du tac à finir? Il y a plusieurs artistes, si tu veux, qui ont tenu des propos sur des plateaux de télévision. Et donc, on va arrêter l'image. Et il va falloir deviner quoi? La fin. La fin. Voilà, c'est parti pour le premier tac à finir. À l'époque où l'album, la chanson du Zizi a été en plein succès, Tino un jour me dit, mon cher Pierre, ton Zizi, c'est... Qu'est-ce qu'il est gros? C'est énorme. Non, ton Zizi, c'est énorme. C'est ton plus gros. J'ai pas... Non, 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 ça n'a rien à voir avec la taille du Zizi. Ton Zizi, c'est dégoûtant. Non, c'est mais pourquoi problème. C'est... Non. C'est une œuvre d'art. C'est une chanson. Non, c'est un bouquet de violets. Ah oui, c'est une chanson. Il y a une chanson qui porte ce nom. Ton Zizi, c'est le Père Noël. Bravo. Ah ouais, ouais, ouais. Bravo. Ton Zizi, c'est petit Papa Noël. Voilà, bravo. On écoute. On écoute. À l'époque où l'album, la chanson du Zizi a été en plein succès, Tino un jour me dit, mon cher Pierre, ton Zizi, c'est ton petit Papa Noël. Ok, une autre question. Regardez. C'est terrible, les comiques, ils ont toujours besoin de boire pour être drôles. Non. Ils ont toujours le mot pour rire. Non, c'est un rapport avec la... Ils ont toujours besoin de parler de sexe. Non. C'est pas les comiques, c'est les communistes. Oh, ah, c'est ouais. Pareil. Oh non. Qu'est-ce qu'ils ont, les communistes? Ah oui, alors c'est pas pareil. C'est pas pareil, oui. Qu'est-ce qu'ils ont, les communistes? Ils ont toujours le mot pour rire. Non, non. Qu'est-ce qu'ils ont, les communistes, Gérard? Est-ce que c'est une remarque pro-communiste ou anti-communiste? C'est anti-communiste. Toujours le mot pour rire. Non, ils ont quelque chose, les communistes. Ils ont toujours des leaders de merde. Non, non. C'est pas vrai, d'ailleurs. Non, ça concerne leur physique. Ça concerne leur physique. Ils ont toujours des tronches de physique. C'est physique. Ils ont toujours des tronches de cake, elle a dit. Non, non, je sais pas. Elle dit peut-être qu'ils sont courageux, intelligents, il faut voter pour eux. Je sais pas. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Ils ont toujours des costumes trop courts, des pantalons trop courts. Ah, 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 non, 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 des costumes trop petits. Mais j'ai envie de dire des conneries. Aidez. Des costumes trop étriqués. Je sais, je... Alors, ils n'ont aucun sens du... Du vestiment. Du look. Bravo, Elsa Payer. On est tous... Vérification, les gars. Ils n'ont aucun sens du look, hein. Non, ça faut le dire. Un autre. T'as qu'à finir. Pour le coup, qu'on voit très souvent tous les deux ensemble. Oui. On a passé un week-end ensemble il y a quelques semaines et depuis on se quitte plus. Voilà. Non, mais parce que j'en ai parlé avec Dany. Parce que moi j'ai cru longtemps que. J'ai cru longtemps que. Tu aimais les femmes? Non. Que t'étais marié avec un vélo? Que non. T'étais marié à une chienne? Non. Non. Que t'étais marié à un gars? Que non. T'aimais les chiens? Non, parce que ça change. Que t'étais homo? Que t'aimais que les animaux? Est-ce qu'on peut accepter la réponse? Oh oui, je pense parce que... Tu y avec ton chien c'est dans la ville. Bonne réponse. Voilà. Caroline Diamant, regardez. Très souvent, tous les deux ensemble. Oui. On a passé un week-end ensemble il y a quelques semaines et depuis, on se quitte plus. Voilà. Non, mais parce que j'en ai parlé avec Dany. Parce que moi, j'ai cru longtemps que tu étais avec la chienne, pour tout te dire. Allez, une petite Florent Pagny. Une petite Florent Pagny. Écoutez bien. Revenir en promo, reprendre un petit peu du service en télé, avec l'évolution que ça représente, il y a des jours, waouh. C'est pas facile. Alors là, même moi, je sais pas. Je sais pas ce que tu dis ce jour-là. Tu viens en promo, il y a des jours, on se dit « waouh », et qu'est-ce qu'on se dit? Eh ben, c'est quelque chose qui a un rapport avec les journalistes. Non. Pas du tout. Avec le... Avec c'est le pas public. Loin, c'est pas loin. Non, avec le... Non, ça, non, ça pas... Non, non, c'est un mec qui te pose des questions. Moi, je plaisante, c'est pas vrai. Qu'est-ce que Pagny aime bien faire dans la vie? Signer des autographes. Fumer des pétards. Ouais. C'est pas ça. Il aime bien faire du cheval. Faire du cheval. On se rapproche. Je préfère rester avec sa femme et accompagner ses enfants à l'école non, à 40 km. Non, pas avec sa femme. Non. Je préfère rester avec mes vaches en Patagonie. Hey. Pas avec ses vaches. Avec ses chevaux. Ses chèvres. C'est pareil. Ses moutons. Ah si, avec ses vaches et ses moutons, bravo. Allez, deux. Bonne réponse conjointe, mon petit. Promo, reprendre un petit peu du service en télé avec l'évolution que ça représente, il y a des jours, waouh. Tu fais putain, hein, j'étais bien avec mes vaches et mes moutons. On remonte une dernière fois. Abracadabra. Qu'est-ce que c'est? Oh merci, c'est gentil les copains.
Florent, je te laisse filer, rejoindre Michel Drucker en direct de Marseille pour tenue de soirée à 20h50 sur France 2. Merci infiniment, c'est dans une demi-heure. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas ce soir, aux alentours de 23h, 23h30, on n'est pas couché. C'est avec mon ami Laurent Ruquier. Très bonne soirée sur France 2, à samedi prochain.